que m'avait dit au début que l'objectif c'était de m'intégrer d'abord défensivement, puis offensivement plus tard. Et voilà, c'est ce qu'on essaie de faire chaque jour et il me donne un peu plus de temps de jeu au fur et à mesure de l'année. Hugo, c'est du bonheur par rapport à l'état d'esprit, tout ce qu'il peut dégager sur le terrain, potentiel certain sur le terrain, physique, athlétique, mais pas que. C'est quelqu'un qui est assez moteur par rapport à sa grande taille. Et il a une envergure qui lui permet en défense de gêner beaucoup les attaques adverses. Il a un état d'esprit, une joie de vivre au quotidien qui fait du bien même aux joueurs professionnels. Je pense que c'est aussi à nous les jeunes de penser à faire ça. En plus, parce que les cadres, ils ont plein de choses à penser, capitaine, demi-centre, numéro 3 de défense, il y a beaucoup de choses à faire et à penser. Et nous, on est en plus, on doit encourager, on doit remonter tout le monde, faire que l'esprit soit positif. On est toujours à côté, les jeunes. D'habitude, il y a Antoine aussi qui est là. On parle, on discute, moi je suis toujours à côté de Clément, tout le temps. Enfin, on apporte une bouteille d'eau, il faut bien souder pour ça. On parle d'accomplissement, mais plus on achève des choses, plus on accomplit des choses, plus on voit plus loin. Du coup, ça c'est plus devenu un accomplissement à partir du moment où j'ai signé. Voilà, je me projette plus. Mais c'est sûr que c'est un rêve de passer pro et je remercierai jamais assez tous les gens qui ont été là pour moi au moment de mon travail et au moment de ma promotion. Le dernier stage s'est super bien passé, on a gagné le tournoi des 4 nations. C'était top. Et puis on est un peu une famille, on se connaît tous. J'ai fait un seul stage en France. C'était à Marseille et c'était le feu. Il y avait beaucoup de monde et j'espère que Tibi, ça va être rempli, que ce sera plein, qu'il n'y aura plus assez de place parce que les gens vont vouloir rentrer et qu'on soit dans une ambiance de folie. C'est comme ça qu'on va porter notre équipe, qu'on va devoir gagner ce Tibi.